Le parquet général a à nouveau changé d'avis. Il l'a fait plusieurs fois dans cette affaire. Aujourd'hui, le parquet général souhaite le maintien de la décision de non-lieu à poursuivre. Quand bien même Madame la Présidente a rappelé que ça n'était qu'un non-lieu de pure forme et non pas un non-lieu parce qu'il n'existerait pas de charge suffisante, si vous voulez. Hein. Vous pouvez avoir un non-lieu parce qu'il n'y a pas de cadavre. Là, on a bien constaté qu'il y a un cadavre, d'accord. Le tout est de savoir qui est l'assassin. Bon, nous avons continué de penser qu'au cas présent, pour l'infraction de harcèlement moral, c'est bien M. Hannette qui est responsable. Et qu'en tout état de cause, la personne morale, la mairie, doit répondre également devant le tribunal correctionnel de cette responsabilité en matière de harcèlement moral, puisque c'est la loi depuis la jurisprudence France Télécom. Donc, à mon avis, il ne faut pas s'en tenir aujourd'hui à l'avis du parquet général qui manque beaucoup de constance dans cette affaire, mais s'en tenir déjà à la décision antérieure de la Chambre de l'instruction qui a stigmatisé avec beaucoup de dureté le comportement administratif de la commune à l'égard de l'agent. Monsieur Hannette, dans son audition, s'est engagé il y a près d'un an à régler le problème de Monsieur Jean-Bernard Waro. Il n'a toujours rien fait. Moi, j'en déduis qu'il décide de poursuivre dans l'infraction dont il est bien l'auteur, tel que cela apparaît, et que ces dénégations n'ont pas beaucoup de valeur.